près de la mine de Tiebagui, la prise de température effectuée par les agents de sécurité. Autre disposition, la distribution de kits d'hygiène, masques, lingettes, gants et gel hydroalcoolique. Donc ça, c'est un désinfectant qu'on vous met à disposition. Dès que c'est vide, vous repassez, on vous le re-remplit. Habituellement, deux équipes se relaient sur 4 jours pour assurer 21 heures quotidiennement. Aujourd'hui, c'est une seule équipe qui travaille 10 heures uniquement. Une réduction des effectifs d'environ 2/3 pour la sécurité des salariés. On a réduit très fortement notre activité avec des impacts et des décisions assez lourdes. C'est pas anodin de mettre en stand-by 150 personnes. L'idée là, c'est de regarder, maintenant qu'on commence à maîtriser un peu ces aspects hygiène, de regarder comment on peut réactiver certains secteurs, notamment à notre usine de traitement du minerai qui est derrière, qui a été complètement mis à l'arrêt depuis 2 semaines. Plus de navettes de transport de personnel. Les salariés arrivent avec les voitures de service, montent directement dans leur engin pour éviter tout contact humain. Une mesure qui rassure. C'est important pour tout le monde de venir travailler pour gagner son salaire. On a des enfants à nourrir, dans la famille, voilà. C'est important de venir de travailler, quoi. En toute sécurité, si les moyens sont là, ben voilà, pas de souci. Au début de l'annonce de confinement, les stocks de minerais ont permis de faire face à l'arrêt de l'activité. Puis, une fois le site réorganisé, le travail a pu reprendre progressivement pour atteindre aujourd'hui 60% de l'activité habituelle. La première mesure, ça a été la préservation de notre outil de travail. Et quand je parle d'outil de travail, c'est la préservation de Doniambo. Si Doniambo n'avait pas de minerai qui arrivait, ça peut mettre tout de suite la société en péril. Et donc là, c'est pour ça qu'on déclenche au fur et à mesure des secteurs pour pouvoir essayer de continuer une alimentation correcte de l'usine de Doniambo. Aujourd'hui, à Tiebagui, c'est 160 personnes en stand-by sur 226 salariés, sans compter les sous-traitants et les intérimaires qui ne travaillent plus. Si certains sont en congé, la SLN réfléchit encore à des mesures comme le chômage partiel, surtout que le confinement vient d'être prolongé.